Eh bien, bon. Je vous dis là, là c'est la neige. Nous mettons la neige à voilà. Nous mettons la neige à voilà. De côté qui est la part à voilà là, nous sommes capitale fédérale là. Nous parlons toujours dans même, pas dans la même zone, mais tout près. Et boss là, par les socialistes, la Sandra Le Maire, il dit que. Je dis à Femme Sotan là, il y a un petit peu avec nous dans la neige pour monter une petite balle à douce. Donc, ça y est là, j'ai un peu de soulon. Et puis voilà, je dis à ça, l'actualité n'a pas rien qui change vraiment dans l'actualité. Et le président Donald Trump qui est pour aller dans le tribunal, dans New York, sur le dossier a fait, et une dame qui pour a fait d'amener accusé lui. Et bien qu'elle dit par exemple, je connais Dame Salvatore, je crois qu'elle avait lui, mais d'amener accusé le procès du bail. Le problème du président Donald Trump, beaucoup fini, malgré que. Au point de vue politique, il continue à bien mener dans l'élection américaine, dans l'élection qui s'est déroulée là dans le Iowa, qui a mené la campagne pour l'élection primaire dans New Hampshire, ensemble avec Nikki Haley, ensemble avec Ron DeSantis, en fait, c'est trois candidats qui ont dans le qui cherché une nomination. Parce que les républicains, mais ancien président de la Trump, il s'en est parti. Comme favori et pour l'élection. Alors, c'est ma peine de la neige, vraiment la neige bloquée, et capitale là, depuis avant, et depuis dimanche, pratiquement, il y a un gros la neige qui a tombé. Et imaginez que je suis dans un côté, je suis visite un côté qui fait chaud, et puis de me rentrer sans pas la neige, je suis rentré aux États-Unis, donc imaginez que la peine que je me dégaine. En tout cas, et bon, ça va visiter là, et la mienne, mon but, je vis avec elle. Donc, l'école fermée, il y a le bureau fédéral américain qui est obligé de fermer tout. Et je dis à quelqu'un qui a travaillé, il y a autorisé à quelqu'un qui travaille à la caille, si il est capable de suivre la caille de travail. Donc, pas vraiment du tout. L'école fermée, tout, c'est du côté. Alors, je vais bien quitter mon Montréal autant de nous, non, avec mon cigare autant de nous. Et mon sérieux, c'est de la neige au vivre. Si, je veux dire que si il a fermé l'école, bien activité commerciale, bien administrative pour à cause de la neige, eh bien, c'est toute la neige qui a fermé, parce que toujours qu'il y a la neige, c'est gros, la neige. Je dis, la température à moins 10, c'est fait, c'est fait. Tellement content, je dis, elle fait chaleur. Alors, moins 18, moi-même, ici, là, nous, la température, on baisse un peu là. Donc, quand on parle avec nous là, maintenant, mi-temps, on coupe là. Donc, là, il y a plus ou moins nettoyé, machine qui a circulé, mais ce côté, c'est pas ça pour moi, pas ça, puis seulement qui gagne, pas gagne, bah, pas gagne de quoi pour moi. Et pour mon faire, mais si mon malheureusement, c'est vacances qu'on y a. Si on y a ça, c'est un boule, mais je dis. Un boule. Alors, tu as dit à ce bon, ici, toujours, je dis à nous connaître, nous sommes Yon, bah ouais. Yon, c'est une qui t'a mené et groupe 400 Maozoa qui était mené aux États-Unis. Et pour devenir jugé, un groupe 400 Maozoa, je suis responsable pour le monde qui t'a kidnappé. Et un groupe missionnaire américain. Un groupe missionnaire américain. Et il a tapé. Et puis, bon, monsieur, je dis à monsieur Poké pour le présenter devant le tribunal fédéral américain et ici, là. Dans Washington DC, peut-être deux ans, là, pas tellement loin là. Et pour aller répondre avec l'accusation. Mais il y a plus accusé le pour affaire et trafic d'armes, surtout. Et quel est pour dossier américain au populaire des Canadiens tout, par une missionnaire que monsieur kidnappé qui font paquet de temps. Non mais monsieur, bon, qui a été fini par libérer une seule histoire ça, ou une édition étoile qui était menée au et l'air sauvé dans l'île, il a été sauvé. Et il y a plus de monde tombé, il a été une histoire ça, il a été sauvé, son étoile aussi, qui est lagué en côté. Bon, monsieur a fait le monde ça, il a été aux États-Unis. Donc c'est actualité ça. Bon. Et puis il y a un secret officiel, on dit officiel. Officiel, le monde qui est élu, même si c'est là, même maître communal. Et dans l'État Montgomery, on a un distant Montgomery qui est dans l'État Maryland, pas trop loin là, qui peut être là en trentaine. Oh, peut-être un cas où il y a tant de bois ici à là. Mais je dis même, il a écrit, je dis, il y a pas côté de la presse tout, mais il a écrit et département de sécurité américain pour
et son cinquantaine côté organisation tout qui mandait pour que l'administration soulage et immigrants haïtiens là qui font camper sous déportation immigrants haïtiens qui soulissent que déporter à cause de leur pays de façon illégale etc. Alors c'est ça veut dire ça sur une dame qui n'a Montgomery County exactement qui n'a Anderson Montgomery County qui souligne que DHS mandé pour retourner dans le pays d'Haïti que DHS a déporté. Donc tout le groupe Monsaïo le met ensemble y compris Galin Joseph responsable Bridge et Haitian Visa ensemble et ben il était allé dans la maison ensemble avec dame ça et ben ça a bien été fait jeudi à même déportation dame ça il a été fait jeudi à même. Donc, il était allé dans la maison blanche, rencontrer l'autorité et lui demander pour bon main levée qui fait pour pas dépiter ou d'un autre, pas vous retourner en Haïti parce que la situation n'est pas bonne en Haïti, tout le monde est vraiment de pour parler. Alors, le groupe Mounsayo, il a écrit qu'il y a des gens pour non seulement d'un mais pour faire une main levée sous et tout Haïtien qui souhaite pour déporter et que ce soit dans un pays, il est légalement visa à venir expirer, etc. Et que DHS a obéi au demande d'asile, l'asile n'a pas marché. Et pas marché, et bien, on m'a dit que dans le pays, et bien, il dit non, et on m'a dit. Donc, c'est le dossier ça qui a déroulé. Je dis à, c'est l'être ça qui a allé. Donc, responsable, ça, je dis à tout le monde, puis il y aura une conférence de presse rituelle qui a fait pour justement expliquer bien fondé demande que vous faites l'administration américaine pour vous sauver. Parce que le monde qui est en Haïti, ou bien le monde qui est aux États-Unis, après novembre 2022, il n'y a pas gagné un statut de protection temporaire, TPS. Il y aura beaucoup de désir, mais il y a des demandes qui font pour que les États-Unis mettent le groupe Mounsayo dans un statut de protection temporaire pour protéger, pour éviter de retourner en Haïti. Donc, le monde qui est aux États-Unis après 2022, sous pas entré en tant que réfugié ou bien encore ou demandé asile, mais de vous entrer ou t'es entré comme touriste ou t'es dépassé séjour et du séjour de Baroua, et bien exactement, et ou pas de protection temporaire, ça veut dire qu'il y aura des portes. Donc, il y a demandé parallèlement pour que le gouvernement mette une autre catégorie de monde encore. TPS pour mettre Mounsayo dans un statut spécial pour parler en Haïti kounye là et puis mais ça vous refait en attendant nous mêmes qui gagne déjà qui sous TPS qui gagne pour expirer yo dit nous que DHS l'ouvre inscription pour nous soumettre document nous pour nous renouveler pas 32 mois là on yo pas bail encore comme il a dit. Depuis le mois passé, avant que je suis allé en vacances, je dis que j'ai déjà accepté demande pour les gens qui ont un statut de protection temporaire qui a fini la zone de mois novembre pour finir dans les SAO. En août, j'ai demandé depuis qu'on a commencé les documents à aller pour qu'ils renouveler pour nous, pour qu'ils renouveler les documents. Nous comptons déjà, nous conformons pour nous bien conformer qui est le 821. Pour nous remplir, si vous n'avez pas rempli, cherchons pour assister, pour aider à remplir comme ça, pour aller et pour capable nous faire. Donc, pas tant ces deux mois à l'avance, c'était 60 jours avant ça, qu'on n'y a pas 60 jours encore, qu'on n'y a aucune affaire. Je dis, comme je finis par la voilà là, on met à faire sous pour qu'on fasse ça. Allez, faire, vous pas tant ces les papiers dans mon expérience, ça va faire de mon expérience. Je l'ouvre net, qu'on y a aucune affaire d'application. Pour renouveler TPS. On dit renouveler. Donc, sous par TPS ou par TPS, ou par la pour de nouveaux demandes pour les gens. De, par exemple, on connaît que c'est novembre 2022, les gens qui viennent quitter les États-Unis après novembre 2022, les gens ne savent pas qu'ils sont statut de protection temporaire ou administration pour qu'on prenne une décision en faveur des immigrants si là. Donc, nous venons de nous réunir, pas vrai? Donc, moi, je parle de ça, et puis en Haïti, toujours, une manifestation a fait un petit peu, a accéléré qu'on y a dans le pays, surtout avec. Enfin, bon, on tient ici, on peut nous quitter tranquille. Faut-il, on peut nous quitter tranquille. Et, oui, administration et manifestation a fait un pays, surtout contre le premier ministre Henri. Moi, puis on a demandé pour le racheter et il y a des gens qui disent attends, ça fait bien. Mais il y a des gens qui ont dit jeter.
Allez, depuis qu'on y a, on peut nettoyer le téléphone. Ok. Il y a un qui m'a dit pour l'émission pour aller depuis qu'on y a, donc c'est manifestant qu'a fait. Malgré le ministre dit censé remplacer l'autorité municipale, le gouvernement intérimaire, et tout avec délégué départemental, il y a pas placé, il a commencé à placer des toits, mais ça va satisfaire parce que continue à demander. Puis il y a un petit Philippe là, qui dit qu'on continue à appeler, pour aller pour demander, pour l'émission, pour lui aller. Mais le premier ministre a discuté en janvier. Pour janvier, mais il a dit lui-même qu'il ne va pas quitter en Panagoy, qu'il a dit qu'il pourra la première débat, il y a un gouvernement, les grands présidents élus. Donc il dit que lui-même, il était témoigné de réfractaires, mais lui-même, il a continué l'activité sans monde qui parle d'élection, qui a l'élection, il a continué tout le monde. Donc il dit qu'il y a monde qui continue à dénoncer, il dit que c'est des rencontres qu'a fait. En catimini, mis en cachette, côté que le premier ministre Angela a négocié ensuite de mon opposition pour que je nous entende, pour qu'il était sous voix et même dénoncer ça. Mais bon, c'est pas le gars qui dit pas au courant, il y a un qui dit oui, au courant que les négociations sont faites, etc. Le premier ministre en région a encore, et il a déjà dit qu'il a besoin encore pour capable ou entendre, pour capable organiser l'élection, mettre sous pied le conseil électoral provisoire, font passer dans le gouvernement. Augmenter quand c'est même acheté, d'après ça qui dégaine, même dans le 21 décembre, et c'est au cœur de l'équipe. Donc c'est la nuit dans la situation, et puis gagner tout, et manifestation fait un peu partout, que ce soit dans Jérémie ou à la Mente, dans plusieurs grandes villes, dans n'importe où, je ne sais pas parler. Écoutez, manifestation a fait contre le premier ministre Ariel Henry. Et puis, ça prend la douleur. Valéry, on peut dire, vous dit, mettez chapeau. Et puis, qui s'en veut là encore. Voilà. C'est là, nous sommes dans la situation dans le pays d'Haïti. Donc, on a plusieurs dossiers en suivant. On a suivi le dossier d'abord, le dossier électoral là aux États-Unis. On a suivi tout et groupe et officiel américain, ça, qui habite dans l'arrondissement de Montgomery, qui écrit DHS commandé pour fonds là, pour aider Haïtiens, bah, Haïtiens ont sorti d'assistance. Nous avons campé sous des déportations, donc pour demander pour soulager et pour camper, pour soulager eux. Il y a ici aussi, donc si le monde qui sollicite pour déporter eux, donc pour déporter eux, pour un petit temps, on m'a levé. Mais il y a plusieurs organisations, ce sont cinquantaines qui écrit l'administration et cinquantaines pour tout ça, même, ils étaient déjà à partir d'une réunion dans la maison blanche. Justement, te présenter le dossier, on va qu'il y ait un haïtien qui soulisse pour la déporter et on dit que la situation ne va pas bon. Il y a aussi des noms, par exemple, que l'ambassade américaine est obligée de faire un porte-lit pour une sécurité, etc. Donc, bah, il n'y a pas bon là, donc, qu'il y ait un négociateur. Voilà, nous comptons là, oui. Donc, nous comptons là, oui. Donc, nous allons faire un petit passé dans monter dans la neige. Ah, ça a commencé à diminuer qu'on y a là. Donc neige a commencé à diminuer, donc à commencer à ça et dire. Donc il fait vraiment frais, je dis, il fait vraiment frais. Là, si mettez un de l'eau là, on goûte de l'eau là, me garantit nous dans 10 minutes là que t'as fait glace. Et je me dis moi-même là, ouais, même senti même tellement que. En tout cas, merci beaucoup. Nous encore demain, donc peut-être demain, nous essayons que pas bien dans les papes tombés encore. Je vous dis, mais au moins, bon, ça te dit, tu es venu dans la neige avec nous. Tu es venu faire un petit peu avec nous. Content. On n'a pas encore. Bye bye tout le monde.